Martineau. L'opinion populaire. L'opinion populaire. Là, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Là. C'est tellement étonnant. C'est tellement surprenant. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Vous n'allez pas le croire. Une récente enquête menée par Radio-Canada montre que plusieurs postes haut gradés exigeant le bilinguisme au sein de la GRC sont en fait occupés par des officiers qui parlent pas français. Et qu'on est surpris, on n'en revient pas. Ben voyons donc, dites-moi pas que le bilinguisme est pas respecté au Canada. Voyons donc, on va en parler avec M. Mario Beaulieu, qui doit lui aussi être étonné, incroyable. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île. Bonjour, M. Beaulieu. Oui, bonjour. Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec, il n'y a pas grand francophone qui sont étonnés de cette nouvelle-là. C'est une violation flagrante de la loi sur les langues officielles. Et ce type de violation-là sont tellement acceptées à Ottawa que c'est la police qui se fait prendre à enfreindre la loi. C'est assez spécial. Mais la nouvelle loi sur les langues officielles a été faite pour mettre fin à toutes ces histoires-là de mépris du français à Ottawa. Alors, on va voir. Hier, on a questionné le ministre, le nouveau ministre des langues officielles et il n'y avait pas de réponse précise à dire. Il semblait être d'accord que c'est toujours la même chose. On s'offusque, il y a des excuses, etc. Oui. On dit, puis il n'y a rien qui change. Fait que là, il faut on parle tout le temps, on parle tout le temps du plafond de verre pour les femmes, par exemple. Mais le plafond de verre pour les francophones au fédéral, je m'excuse, mais si t'es quelqu'un qui grimpe les échelons à la GRC, OK? Puis t'es un francophone unilingue, à un moment donné, tu vas taper le plafond. À un moment donné, tu pourras pas aller plus haut parce qu'ils vont dire non, nous autres, on va privilégier un anglophone unilingue. Puis là, ça va te couper. Ça va te couper les jambes. Puis les hauts gradés pourront pas parler avec toi parce qu'ils parlent pas français. Et vous savez, j'ai parlé avec un ancien policier de la GRC là, qui a été président de l'association des membres de la GRC, Gaétan Delisle, puis il disait qu'il a fait toute une série de démarches pour faire respecter les droits linguistiques et ça a pas amélioré les choses, ça empire. C'est vraiment choquant de voir ça aller. Puis là, en plus, on nous dit ces gens-là, c'est des unilingues anglais, ils occupent des postes supposés bilingues et ils prennent pas de cours de français. Et ils parlent pas un mot de français, ils prennent pas de cours de français. OK, attends une minute, ils prennent donc, même pas de cours de français, là. Ils prennent même pas de cours de français. Fait qu'il y a aucun risque qu'ils viennent qu'à pouvoir avoir les compétences requises pour leur poste. Mais Mario, parle à n'importe qui à travers le monde. Le Canada, pour vous, c'est quoi? C'est la police montée. C'est reconnu partout à travers le monde. S'il y a une institution qui représente le Canada à l'étranger, c'est la police montée. Alors, même la GRC, qui est le cœur même du Canada, ils se foutent du français. C'est ça qu'ils font, là. « We don't care ». C'est tout. Tout à fait. Et on nous dit même que les jeunes recrues de la GRC, il y a seulement les francophones qui reçoivent des cours de langue seconde pour apprendre l'anglais. Et les recrues anglophones, ils n'ont pas de cours de français. Il y a quelques années, moi, quand je suis arrivé comme député, je me souviens, on avait fait des interventions en chambre parce qu'il avait annoncé qu'il fermait les formations francophones pour les... Fait qu'il y avait eu une levée de bouclier, supposément que c'était pour être modifié, amélioré, puis il n'y a rien qui s'est passé. Fait que là, on va voir le commissaire aux langues officielles, là, il est supposé avoir des dents, mais tout ce qu'il peut faire, c'est donner des amendes de 25 000 $. Mais est-on vraiment surpris? La gouverneure générale parle pas un maudit mot de français. Écoute, il y a une seule province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick n'est même pas bilingue, alors que sa province est censée l'être. Puis il y a des ministres aussi au sein du gouvernement Trudeau qui sont unilingues anglophones, on le sait, là. Vraiment. Tout à fait. Et dans le fond, malheureusement, la seule province vraiment bilingue, c'est le Québec. Et c'est tellement bilingue que c'est l'anglais qui est en train
d'assimiler. Ça nous donne l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique. On a des belles intentions, on dit que bon, on va améliorer les choses. Ça semble être juste pour calmer les Québécois, calmer un peu les francophones, puis on continue comme avant. Puis pendant ce temps-là, ben, les francophones s'assimilent dans le reste du Canada. Il y a un modèle, le modèle de la loi sur les langues officielles ne fonctionne pas. Depuis 50 ans, ce qu'on voit, c'est une assimilation croissante des francophones. Écoute, c'est un mythe. Là. Il y a un mot à la mode depuis quelques années en politique, c'est le narratif. Hein? Fait que là, le narratif du Canada, ce qui nous distingue des États-Unis, c'est que c'est un pays avec deux langues officielles. Mais tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, c'est un mythe. Là. Veux dire, ça ne, c'est pas vrai que c'est un pays bilingue, le Canada. C'est faux. Tout à fait. Puis c'est un mythe qui sert à endormir les Québécois parce qu'au Québec, la loi sur les langues officielles, elle vise à renforcer l'anglais, à appuyer l'anglais. Alors, pendant qu'on nous endort avec la politique de bilinguisme officiel, ben on continue. La seule province majoritairement francophone, le seul État majoritairement francophone en Amérique, qu'est-ce que le Canada trouve à faire? Appuyer l'anglais, renforcer l'anglais au moment où c'est le français qui est menacé. On l'a vu avec le plan d'action sur les langues officielles. Là, ils ont annoncé 4,1 milliards de financement. Et quand un journaliste a posé une question, oui, mais pour le Québec, il y a une fonctionnaire sous le couvert de l'anonymat qui a dit, ben c'est à peu près 20% qui va au Québec. Il dit, oui, pourquoi? Ça sert à quoi? Ben, elle dit, appuyer l'anglais. Alors, il y a des programmes... qui vise tous les groupes de pression anglophones, le QCGN, il y a une cinquantaine de groupes qui sont financés par le fédéral. Et on voit la... Mais c'est incroyable, c'est comme si, comme vous dites, c'est comme si le programme des langues officielles était en vie seulement qu'au Québec. En fait, c'est comme si le Québec était la seule province vraiment canadienne du Canada. Parce que c'est seulement ici qu'on garde en vie ce mythe-là des deux langues officielles. Puis dans le reste du pays, ils s'en foutent du français. Mais nous autres, là, dès qu'on est un petit peu trop restrictif sur l'anglais, et Christy, qu'on se le fait dire, puis qu'on se fait taper ses doigts, là. C'est ça. Puis dans le fait, ce qui est dommage, c'est que les revendications du fédéral de ces groupes-là d'intérêt anglophone, ça vise pas à ce qu'il y ait des services en anglais pour les anglophones, ça vise à ce qu'il y ait des services en anglais pour les nouveaux arrivants d'expression anglaise ou tout ce qui pourrait s'angliciser le moindrement. Et on essaie toujours d'avoir des services en anglais pour tout le monde. Alors que si vous regardez dans le reste du Canada, ben c'est là où le nombre le justifie. Souvent, là où le nombre le justifie, ça fonctionne pas plus. Il n'y a pas de service en français adéquat. Alors, il faut vraiment le dénoncer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vraiment réalisent là, tous ces efforts-là qui sont mis pour angliciser le Québec par le fédéral. Et dans 500 000 nouveaux arrivants minimum par année. Hein, on sait que Trudeau ouvre les vannes de l'immigration. Ces gens-là, ils parleront pas français. À un moment donné, là, plus il y a d'immigrants qui parlent anglais et moins il y a de francophones et plus notre poids démographique au sein du Canada fond comme neige au soleil. À un moment donné, il va y avoir des pressions au Canada, Mario, pour dire, ben le Canada bilingue coast to coast, là, on va tirer à la plug là-dessus parce que ça ne représente plus la réalité. On le voit dans plusieurs gouvernements des provinces canadiennes prônent ça ouvertement, au Nouveau-Brunswick, qui ont d'énormes difficultés. Puis c'est ça qui est vraiment dommage. D'un côté, tu as des francophones à l'extérieur du Québec qui se battent, qui font leur possible, qui essaient, mais qui sont qui se font dans le fond, les taux d'assimilation sont vraiment énormes. La GRC, on dénonce, on va amener une motion pour demander que le comité des langues officielles qu'on rencontre, le commissaire de la GRC, qu'on voit, mais on l'a fait avec le président général d'Air Canada, M. Rousseau. Je pense pas que... J'aimerais bien voir s'il parle un peu plus anglais. Mais normalement, français, ouais, parce qu'anglais, il n'y a pas de problème du tout. Et
C'est ça, il faut, faut en parler. La politique linguistique fédérale, c'est un facteur majeur d'anglicisation au Québec. Et malheureusement, ailleurs au Canada, ben, il y a comme un minimum de services en français. Là, on le voit, la GRC, là, c'est que les gens, c'est supposé dans la loi sur les langues officielles, il est supposé avoir une égalité des chances pour les francophones et anglophones. Mais écoutez, si les hauts fonctionnaires, tout ça, parlent seulement anglais, il y a pas grand-chance pour un francophone, même si en ce moment, Mike Duchesne, on nous dit que c'est un francophone, mais c'est ce qui arrive souvent, on nomme un francophone à la tête, mais dans les faits, il y a rien qui se passe pour le français. Écoute, alors, on va continuer à bouger, on va continuer à parler. Oui, le Bloc, il faut que vraiment que vous talonniez le gouvernement là-dessus. Cela dit, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont parler davantage mandarin que français. À un moment donné, ce mythe-là du bilinguisme ne tiendra pas. En terminant, Mario Beaulieu, est-ce que les gens du Bloc ont célébré lundi soir en regardant ce qui s'est passé dans Jean Talon? C'était quoi le sentiment au Bloc? Ben, pour ma part, oui, parce que je pense que c'est pas une cachette que moi, je suis un membre du Parti québécois. J'ai milité longtemps pour le Parti québécois. Alors, je pense que il y a un réveil qui se fait au Québec qui est très important. Et le Parti québécois se gêne pas pour parler du français, pour avoir vraiment un programme qui pourrait permettre de régler la question du déclin du français. Et il y a la question de l'indépendance. Quand on voit ce qui se passe au fédéral et le manque de volonté politique de régler les choses et de laisser le Québec maître d'œuvre de sa politique linguistique, on voit que de plus en plus les gens vont être confrontés à une question, c'est l'anglicisation ou l'indépendance. Ça revient à ça. Et qu'il n'y a pas de troisième voie. Merci beaucoup, Mario Beaulieu, député du Bloc québécois pour la Pointe-de-l'Île. Merci.